Good morning, allez Yiden, les tueurs aujourd'hui, les Lunishmat, Mourir Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Shlomo Binyamin ben Mazal, Moshe Michael ben Machlouf, Véaline Bachla Rachel, ainsi que les Fouad Sarabat Betir Rivka, Rafael Zvulun ben Chayamane Abedor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de deux Mishnah correctes, les 5 minutes éternelles, nous débutons ben Mazal Tov, la Masechet Choulin, Perek Aleph, Mishnah Aleph. Akol shochatin ushritatan kshera chutz mecheresh shote bekatan shema yekalkelu bishritatan bekulan shafatu vaacherim roin otam shritatan kshera shritat nochri nevela umetam'a bemasa ashochet balaila vechen asuma sheshachat shritato kshera ashochet beshabbat uviyom hakipurim af al pi shemitchayev benafsho shritato kshera. Dans Masechet Choulin, on va parler de toutes les lois de kashrout dans notre cuisine qui concernent notre consommation personnelle. À la différence, on est dans le Seder Kochim, ne pas oublier, à la différence des Zvachim, Menachot, et ensuite, quand on reprendra ensuite toutes les autres Masechtot, avec Brachot, Tmura, où on parle en général que des Korbanot et du service qu'on faisait au Beit HaMikdash, il y a, après Zvachim et Menachot, on parle de Choulin, qui veut dire ce qui est profane. On va parler de toutes les consommations profanes, après avoir parlé longuement des korbanot, des types de korbanot qu'on rencontrait, Zvarim, Menachot, les oblations. Et bien maintenant, on va parler de ce qu'on consomme. Pendant la matinée de la Masechet, on va parler de l'abattage des animaux, la shrita. Et puis, du coup, ça va être l'occasion ensuite de parler du guide anaché, par Chatachawa d'ailleurs, l'interdit de manger l'année asiatique. Après, on va se mettre à parler des mélanges de lait, de viande. On va parler de toutes sortes de mitzvot encore qui tournent autour de ça. On va même parler de Shiloh Haken vers la fin de la Masechet. On aura l'occasion de se rattacher de tout voir. En tout cas, pour le moment, on va parler de deux sujets essentiels dans le premier chapitre. On va parler de la manière d'égorger, les conditions requises et tout ça. Et on va parler aussi des tréfautes, des dysfonctionnements des animaux, des maladies qu'ils peuvent avoir, qui vont faire que l'animal est impropre à la consommation et les tarifs. Pour le moment, on va commencer dans notre premier chapitre à parler de la manière d'égorger, l'abattage rituel. Vous savez bien, il faut prendre un couteau et il va falloir, on découvrira Bezrat Hashem tout ça, il faut égorger. Et il y a deux simanim, la trachée artère et l'œsophage, qu'il faut les couper avec le couteau d'une certaine manière, tout d'un coup, ne pas s'interrompre. On découvrira qu'à quatre choses qui invalident la shrita. Si toutefois, pendant qu'on égorge, on s'arrête même quelques secondes, c'est trop tard. On peut faire longtemps le va-et-vient, l'aller-retour pour égorger, mais il ne faut surtout pas s'arrêter. Il y a encore... on aura l'occasion de les attacher, de voir dans plus de détails. Pour le moment, notre Mishnah commence par nous définir qui est apte à faire la shrita. D'accord ? Quand je veux dire le mot égorger, c'est faire la shrita. J'ai pas de bon mot en français pour dire la shrita, l'action de shrita. Ça ne veut pas dire égorger, étrangler, c'est une manière de couper avec un couteau bien aiguisé, comme on a dit, les deux simanim, la trachée artère et l'œsophage. Akol shochatin, ou shritatan kshera. Dans la première partie de la Mishnah, on va voir qu'au sens simple, elle est simple, mais elle utilise un langage un peu lourd, qui en fait inclut en réalité beaucoup de halachot entre les lignes. On va d'abord avancer au début de la Mishnah à comprendre ce qu'il y a écrit, même si ça paraît bizarre, et puis après on va revenir pour dire la halakhot qui se cache en réalité dans les formulations un petit peu étranges. La kol shochatin, tous peuvent abattre l'animal, faire la shrita. Ou shritatan kshera. Et une fois qu'ils auront égorgé, leur shrita sera validée. Donc, toute personne, sauf chutz, sauf mi-cheresh, le sourd, shote, le fou, le sot qui n'a pas de sechel, et katan et l'enfant. La singularité de ces trois personnes sont qu'ils n'ont pas de responsabilité. D'accord ? Enen dat. Ils n'ont pas de responsabilité. Je ne sais pas comment on dit le mot dat exactement en français. La tête sur les épaules, en deux mots. Quand on parle de sourd dans la Torah, on l'a déjà dit, on l'a déjà rencontré plusieurs fois, on parle de quelqu'un qui est sourd de naissance, qui n'a pas pu développer son intellect. Le manque de communication a fait qu'il est resté très petit dans son cerveau. Donc, Kherachotev et Katan, eux, on ne les laisse pas égorger. Pourquoi ? Shema yekalkelu bishritatan. De peur qu'ils vont mal faire la shrita. C'est-à-dire, si vous avez un enfant de 10-11 ans qui vous a vu égorger, comment est-ce que vous faites les poulets, par exemple,
Et ça lui prend de prendre le couteau, vous l'avez même déjà vu passer à l'œuvre quelquefois, et voir qu'il s'est bien égorgé. Et du coup, il est entré dans la cuisine, et il ressort avec le poulet bien zigouillé comme il faut, proprement, avec le couteau. Il a dit, voilà, papa, j'ai fait la shrita, vous ne pouvez pas manger de son nabat. Et malgré tout, la Mishnah m'enseigne, Vekulan sheshachatu, va'acherim ro'in otan, shritatan kshera. Tous, c'est-à-dire, au sens simple, on parle toujours du cheresh et du katan, ces trois personnes-là, qui ont malgré tout abattu l'animal. Mais acherim ro'in otan, quelqu'un qui était à côté, qui a vu qu'ils ont bien fait, ils n'ont pas failli à leur devoir, ils ont fait ce qu'il fallait, il a vérifié le couteau avant, après, il a passé comme il faut, sans s'arrêter, dans le bon sens, du bon côté de l'animal, et. Donc, quelqu'un témoigne qu'il a très bien fait. Eh bien, la Mishnah m'enseigne, Shritatan, Kshera, leur Shrita sera validée. C'est-à-dire, ce que j'ai interdit au début, le Cheresh, Shoteh, Bekatan, le fou, le petit, le sourd, c'est uniquement lorsque je ne les vois pas. Même si je sais qu'ils ont l'habitude de bien faire, par exemple, parce que j'ai l'habitude de voir, et bien malgré tout, je ne pourrais pas m'appuyer sur le Shrita, parce qu'ils n'ont pas la responsabilité pour m'assurer qu'ils ont bien fait cette fois-ci de nouveau. Peut-être ça leur a pris de s'arrêter, de se gratter le nez en plein milieu, en plein shrita, il a vu une mouche, je sais pas, il s'est arrêté 30 secondes, même 3 secondes, c'est déjà trop tard. D'accord? Voilà pour au sens simple. Maintenant, il y a plusieurs problèmes, comme vous avez pu remarquer dans la première phrase. Tout le monde est en droit d'égorger, et s'il égorge, la shrita est validée. Ben, si tout le monde a le droit d'égorger, donc la shrita, elle est validée a posteriori. Première question. Deuxième question en plus. Lorsque tu veux permettre finalement a posteriori le cheresh, shoteh, vekatan, le sourd, le fou et l'enfant qui ont égorgé, il fallait me dire ve'im shachatouj, et s'ils ont égorgé, c'est pourquoi quand tu dis ve'kulan shachatou et tous, en réalité, la Gemara s'amuse, enfin s'amuse, je m'entends, c'est-à-dire la Gemara, elle explique en fait chaque mot est porteur en fait d'une halakha entre les lignes en faisant référence en fait à des braïtot. Et il faut lire en réalité la Mishnah de la sorte. Lorsque tu dis tout le monde peut égorger, il y a en fait en réalité tout ce que je veux dire, ce ne sera pas selon la halakha, parce que selon la halakha, il y aura un autre truc. Peut-être que je vais faire à l'envers. Je vais d'abord vous dire la halakha telle qu'elle va être tranchée à partir de dans la Gemara, pas comme la Mishnah. La halakha va me trancher qu'en réalité. Si vous avez la grande question à savoir en fait, c'est si vous avez quelqu'un que vous ne connaissez pas particulièrement, est-ce qu'il égorge? Il vient et vous apporte un poulet ou un mouton, et il vous dit, je l'ai égorgé comme il faut. Est-ce que vous le croyez ou non? Donc la question, elle est de savoir, est-ce qu'il est responsable, certes, mais est-ce qu'il connaît les halakhot, est-ce qu'il fait bien les choses ou pas? C'est là la problématique en réalité de la Mishnah, de tout ce qui se passe entre les lignes. Et comme je vous dis, d'abord, je vous donne la halakha. Le Bar Tanoura nous rapporte, dans le Dibor Matri, le Vekolak Shachatou, vers la fin, il nous dit, la halakha n'est pas comme la Mishnah, mais la halakha enseigne quelque chose de très simple. Toute personne qui débarque avec, tout juif, kasher, bien sûr, qui débarque avec un animal abattu et qui vous dit je l'ai bien égorgé, vous le croyez. Parce que Rov, Metsuin, Etzel Shrita, Momochinem, la majorité, la plupart, la quasi-totalité des gens qui s'amusent, qui se permettent d'égorger, d'abattre les animaux, ils abattent parce qu'ils sont experts en la matière. Et c'est là le point clé. Est-ce qu'il est expert à chaque fois ou non? La halakha va nous dire toute personne qui égorge, c'est qu'il est expert. D'accord? Sinon, il ne se permet pas de. On ne prend pas un bon juif normal ne se prend pas un couteau pour essayer d'égorger. S'il a égorgé, c'est qu'il a bien fait, c'est qu'il connaissait les halakhot. C'est pas un problème de Yirat Shamaim, uniquement de crainte du ciel, de ne pas mentir qu'il a abattu. C'est parce qu'il y a plein de halakhot, il y a tout un savoir comment égorger, comme ce qu'on découvrira, toutes les halakhot particulières de la shrita et les choses qui amènent de la shrita, il faut nécessairement quelqu'un d'expert qui connaît bien ces halakhot. D'accord? Donc, on retient. Pour la halakha, toute personne qui vous dit que j'ai bien égorgé, il a la Yirat Shamaim, on ne va pas me mettre en doute est-ce qu'il connaît ou non les halakhot qu'il se doit. D'accord? Ça va être pour la halakha. Mais la Mishnah ne fonctionne pas comme ça. La Mishnah ne va pas tolérer toute personne. La Mishnah, elle va me dire comme ça. De trois possibilités. Soit il y a un expert qui connaît les halakhot, mais qu'on n'a jamais vu passer à l'œuvre. Vous savez, moi personnellement, je n'avais jamais raconté cette histoire parce que. Il y a des gens qui sont très sensibles au sang, qui sont très émotifs, que c'est un peu difficile pour eux de dégorger. C'est-à-dire que même si je connais parfaitement la halakhot, peut-être que quand je vais prendre le couteau et que je vais gorger, je vais avoir un petit moment de. Même moi, je ne vais même pas faire attention que j'ai eu un petit moment où j'ai tourné de l'œil. D'accord? Donc, en fait, on ne peut pas me faire confiance, apparemment, même si je connais bien la halakhot.
entre parenthèses, bonne histoire. Avant la naissance de mon premier garçon, j'avais qu'on attendait un garçon, et j'avais très envie d'accomplir la mitzvah, d'être moi le père qui allait faire le brit milah de mon fils. Et 2 semaines avant la naissance à peu près, je suis parti dans un brit milah d'une connaissance. Je me suis mis devant, je me suis conditionné psychologiquement comme si c'était moi qui allais prendre le couteau. Le moelle, ouais, ça existe, il y a des moelles qui permettent de faire ça, qui attrapent eux le tout et qui donnent au père le couteau pour que le père passe le couteau, quelque chose de très simple, de couper une petite peau apparemment. Donc moi je me suis approché là-bas, je me suis dit, allez vas-y, d'ici, vas-y, t'achèves, 2-3 semaines, c'est toi qui prends le couteau, c'est toi qui le passe. Je suis parti là-bas, et je vous raconte pas comment j'ai commencé à avoir des sueurs blanches, j'ai commencé à tourner un petit peu de l'œil, je me suis vite retourné, je suis reparti dans mon coin, et j'ai dit, on va laisser le Moël faire son travail, c'est pas grave pour la belle mitzvah du père de faire le brit milah, il vaut mieux d'abord que l'enfant, il ait tout court un brit milah, et qu'on coupe pas autre chose. D'accord ? En tout cas, je reviens sur la Mishnah. Donc, ouais, il y a des gens qui sont un peu trop émotifs, qui n'ont pas le caractère pour pouvoir se mettre à abattre un animal. Donc, on aurait pu croire que toute personne qui connaît très bien la halakhot, ça ne veut pas dire qu'il va forcément bien faire la shrita. Eh bien, la Mishnah enseigne, oui. Si toutefois, il connaît bien la halakhot, et qu'il vient et qu'il te dit, j'ai égorgé, tu ne remets pas en doute. Tu n'as pas besoin de le voir à l'œuvre, de voir qu'il est capable de bien manier le couteau, de ne pas tourner de l'œil, de ne pas patienter, de ne pas reprendre son souffle en plein milieu, d'aller dans le droit au but. Donc ça, c'est quand il est expert. Donc c'est ça ce que la Mishnah me dit, « Akol shochatin, a priori, tout le monde peut égorger. » Shritatan kshera, c'est lorsque tu as quelqu'un que tu ne connais pas. Est-ce qu'il est expert ou pas? Un inconnu qui débarque avec un poulet égorgé. Je viens de l'égorger, je comptais le manger, mais finalement, on m'appelait d'urgence à partir. Est-ce que quelqu'un veut le poulet? Est-ce que je le prends ou je le prends pas? Alors, a posteriori, je lui pose des questions sur la shrita. Je lui demande qu'il me dise comment est-ce qu'il connaît la route de base de la shrita, comme ce qu'on verra, halada, grama, les choses qu'on verra plus tard, comment faire. Et s'il me répond oui, a posteriori, ça vient dans les cachets. Par contre, si l'inconnu me dit, regardez, j'ai laissé le poulet, mais je dois partir d'urgence. Il vous laisse le poulet ici et il part. Un bon juif, vous l'avez bien vu faire la tefila, il est très sympathique, il est très chaleureux, vous l'avez même vu étudier, prendre un livre de Torah étudier, mais vous n'avez pas parlé avec lui des Hilchot Shrita, vous l'avez jamais vu à l'œuvre, vous n'avez pas le temps de poser des questions, est-ce qu'il connaît la route de base de la Shrita? La Mishnah m'enseigne qu'à posteriori, il ne sera pas caché. Sauf si, comme ce que la Mishnah me dit, « Vekulan Shishachatu », on est venu inclure même l'inconnu. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu, on ne connaît pas son, dans la Shrita, est-ce qu'il est expert ou pas. Si toutefois, quelqu'un l'a vu et a dit « Écoute, il a manié le couteau parfaitement, il ne s'est pas arrêté du droit de but. » Dans ce cas-là, a posteriori, on permettra, il n'y a aucun problème. Mais si on ne l'a pas vu, on ne le permettra pas. D'accord? C'est ce que la Mishnah enseigne. Et comme je vous ai dit, la halakha n'est pas fixée comme ça, parce que la halakha va vous dire, dès qu'il y a un bon juif qui vous dit qu'il a fait la Shrita, on ne remet pas en doute que qui connaît les halakhot, parce que Rov Metsuin et Tzal Shrita, Mumchinahen, la majorité des gens qui se trouvent, qui sont confrontés à, qui font la Shrita concrètement, eh bien, ils sont experts, on leur donne une chazaka d'experts. On a fini avec la première partie de la Mishnah, la deuxième partie, ça va aller beaucoup plus vite. Shritat Nochri Nevela Ometam'a Bemasa. Un goy ne peut pas faire la Shrita, ne peut pas valider l'animal avec la Shrita, même s'il égorge parfaitement les deux. La tracharter de ça, il n'est pas apte, c'est une mitzvah. Au même titre, il faut forcément faire une action, c'est une mitzvah de faire, et celui qui l'a fait mal, c'est celui qui... Imaginez même, tout simplement, un couteau qui tombe tout seul, et vous voyez le couteau tomber de manière magique, qui tombe, qui va bidiouk égorger comme il faut l'animal. Eh ben, l'animal ne sera pas cachère. Parce que le but, c'est pas d'avoir uniquement ouvert à l'aide d'un couteau sans s'arrêter, d'avoir ouvert la tracharter et l'œsophage, non. Il faut nécessairement faire le maasé shrita, il faut faire l'action de faire la shrita. Vous voyez un singe même, prendre un couteau et couper. Parfaitement, il ne s'est pas arrêté, ça ne marche pas. Il faut un juif, nécessairement, parce que c'est une mitzvah, et s'il n'a pas fait, ce ne sera pas validé. D'accord? C'est ce que la Mishnah enseigne, donc shritat nochri, nevela. C'est devenu une nevela. Une nevela, c'est un animal qui est mort sans avoir eu la shrita. Et donc forcément, ou metam abemasa, il... impurifie, si on l'animal mort impurifie. Petite parenthèse, je vous le dis très rapidement, il y a une nevela, on va distinguer c'est quoi une nevela et une tréfa. Pour le moment, on va juste parler de la nevela. C'est un animal qui est mort, donc de mort, ce qu'on appelle naturel. La Torah a donné une impureté particulière que véhicule l'animal si je le touche, ou même si je le touche pas, si simplement je le déplace. Imaginez qu'il y a une vache morte, naturellement, jetée par terre, avec une ficelle accrochée, et je la tire, parce que je suis en train de faire un massa, et bien,
je deviens moi-même impur même si je ne l'ai pas touché. D'accord ? Metama bemasa. Précision du Barthénora. Ça, c'était pour un bon goy. Un bon goy. À la différence que si c'est un goy qui est adouk pour la Avodazara, un goy qui est connu pour faire de la Avodazara, de l'idolâtrie, dans ce cas-là, sa shrita, on va la soupçonner d'être, d'avoir égorgé en l'honneur de la Avodazara, donc c'est maintenant sa shrita, elle véhicule une très grande impureté comme le mort. D'accord ? C'est mentionné dans le Barthénora. On va pas s'allonger parce que si on va donner trop de détails, ça va faire trop et c'est un petit peu annexe, donc c'est pas le point d'enseignement. Achochet Balaïla. Maintenant, la Mishnah enseigne, celui qui égorge la nuit, il n'y avait pas de lumière, et il a, malgré tout, il est tellement habitué, il a pris le poulet, il a tout tâtonné parfaitement, il a tâtonné son couteau, il a égorgé dans la nuit. Ou encore, Vechan Asuma Sheshachat, un Souma, quelqu'un qui était aveugle, et qui a égorgé, eh bien, a posteriori, Shritato Kshira, mais que a posteriori. On permettra, on aura l'occasion d'en reparler encore, il y aura d'autres détails, selon... est-ce que le sang il a giclé ou non? Il y aura des détails qu'on verra plus tard. Pour le moment, la Mishnah enseigne, a posteriori c'est gâché, mais a priori il ne faut pas égorger, il faut nécessairement voir. Ou encore égorger la nuit, mais avec une avouka, avec un flambeau, une torche. Non, ça. La Mishnah continue, m'enseigne. A shochet be Shabbat ou Yom Kippourim. C'est bien, Shabbat, on a un interdit de Netilat Neshama. A shochet c'est une des malachot de Shabbat. Alors. Celui qui transgresse l'interdit de Shabbat, même consciemment, et qui égorge l'animal pendant Shabbat, est-ce que l'animal il est permis à la consommation ou non? Idem encore, ou Yom Kippourim, c'est la fête à Yom Kippour. C'est-à-dire, comme je vous dis, il y a une mitzvah d'égorger. Là, le gars, il n'a pas fait une mitzvah, il a fait une très grave avéra de transgresser Shabbat. On est passible de karet si on tue un animal Shabbat. Ouais, même si. Entre parenthèses, faire attention, quand on veut tuer des animaux, il ne faut pas tuer des animaux, ça peut être une abeille, même un cafard. Le Shabbat, c'est un problème de tuer. D'accord ? Eh bien, en tout cas, on revient maintenant sur l'animal. Et à Shochet be Shabbat, il transgresse un interdit d'Oraïta d'abattre un animal. Ou Viyom Akipurim. Ou Idam Ayom Akipurim. Eh bien, la Mishnah enseigne que malgré tout. Aval Piché Mitrayev Benafcho. Bien qu'il est passible de mort, il transgresse une grave transgression. Malgré tout, Shrita Tokshera, sa Shrita est validée. Parce que concrètement, l'animal, il a été égorgé comme il se doit, avec un juif comme il se doit, selon l'action proprement dite. Même si dans l'espace-temps, il n'était pas au bon jour, mais malgré tout, il a accompli la mitzvah. Pour pouvoir manger l'animal, il faudra attendre la sortie de Shabbat. On n'aura pas le droit de le manger pendant Shabbat, ce sera permis pour les autres. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Slach HaKol Tov.